Vous avez d'ailleurs ouvert un centre de formation pour former votre personnel. C'était une façon de les attirer davantage, de combler des pénuries de personnel, ou c'est au contraire simplement pour mieux répondre à la demande? Si vous voulez, la complexité de notre métier, c'est qu'on a 300 unités qui sont décentralisées. Donc, on a plus de 300 salles dans toute la France. Ça représente à peu près 1000 coachs sportifs. Aujourd'hui, si vous voulez promettre à vos clients qu'ils vont être accompagnés de la bonne manière, vous avez besoin que vos coachs soient formés de la même manière. Et donc, on a construit ce dispositif de formation pour offrir à nos clients une qualité de service qui soit homogène et la plus avancée possible. Un mot peut-être du marché des salles de sport. Il a beaucoup évolué ces dernières années. Avec l'apparition des salles comme les vôtres, des tarifs compétitifs, plus de durée d'abonnement minimale, ça a eu un impact sur le segment du milieu de gamme qui, lui, est en train de disparaître. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et le segment du milieu de gamme, si vous le remarquez, au-delà des salles de sport, en fait, d'une manière générale, il est en train de disparaître. Soit vous êtes un acteur, je dirais, grand public, vous êtes capable de toucher tout le monde, vous êtes sur une gamme de tarifs qui est large et largement accessible et vous survivez. Soit vous faites le choix du luxe et vous pouvez faire payer beaucoup plus cher à moins de gens. Mais quoi qu'il arrive, et ça c'est vrai pour le textile, c'est vrai au-delà du sport, le milieu de gamme disparaître. Du coup, comment on l'appelle, votre segment? On ne peut pas parler d'entrée de gamme, de low cost? Non, on appelle ça smart cost, si on a envie d'utiliser un terme. C'est-à-dire, vous allez payer un prix qui est accessible quasiment à chacun. Et encore que j'y reviendrai, parce que c'est une vision un petit peu élitiste de dire ça. Et avec un service qui est le plus fourni et le plus qualitatif possible. Vous ne pouvez y répondre économiquement qu'en ayant du volume. Ce que je voulais dire, et c'est pour ça qu'on a créé le réseau Freemium, excusez-moi madame, je vous en prie. 29,90€ qui est notre prix à nous, il y a plein de Français pour qui c'est cher en réalité. C'est pour ça qu'on a construit cette offre Freemium, pour permettre, parce qu'on a une vraie mission qui est de mettre du bien-être dans la vie de tous ces Français, pour permettre à chacun de venir à la salle même épisodiquement et d'être accompagné chez lui sans débourser un seul euro. Vous avez l'air d'être vraiment en bonne santé, d'avoir tiré parti de cette période de pandémie. Qu'est-ce que ça va se concrétiser par l'ouverture de nouvelles salles sur le territoire? Écoutez, on a une dynamique d'ouverture de salles qui continue à dérouler. Globalement, c'est entre une dizaine et une trentaine de salles à l'année qui sont ouvertes pour venir compléter le maillage, les endroits où on a l'impression qu'il manque du service. On n'est pas dans une course effrénée à l'ouverture. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est plutôt de consolider notre proposition client, notre promesse, de les accompagner le mieux possible et puis de les garder. Merci beaucoup, David.